Enfin de retour. Tout va comme tu veux, Blair. Quoi que tu cherches, je l'ai en stock. Ouais, sympa. Ouais. Oh, excellent choix. Ouais, c'est pas mal. Ça devrait faire l'affaire. Ah, ok. Dick, reste bien sur tes gardes. Super, Ricky. J'arrive tout de suite, Deacon, terminé. Vous êtes encore combien, là? Ok. Ouh, ok. Hey.
Hey, comment ça va? Chief, pas vrai? Dernier. Ces enfoirés tendront plus d'embuscades sur les routes du coin. Bon, voyons s'ils avaient un bunker souterrain dans les parages.
Une trappe. Le voilà. C'est quoi ça? Une carte? Des notes? Impeccable. On a des papiers, des instructions pour fabriquer, ouais. Je savais pas. On ouvre! Il est déjà venu, celui-là. Il y a quelques mois, on était du côté de chez Crazy Willy. On essayait de récupérer des trucs, tu vois. On disait que le coin avait peut-être pas encore été fouillé. Tu sais ce qu'on a trouvé? Juste là, au milieu de, okay. De ce creux. Ouais. Ok, c'est bon. Je finis juste de la fixer. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok. Hé, mec ! Vise un peu cette camelote. Ricky m'a fait ce joujou. C'était l'idée de Deacon. Ça a carrément de la gueule, Boozer. Hé, je ressemble à un des putains de trois mousquetaires. Regarde ! L'enfoiré de Reaper. C'est peut-être une idée à la con, hein, en fait. Peut-être. Ok.
Content de te voir, Dick. Buzz, tout va bien? Tu dois consommer sérieux, vu l'état des routes. Tu veux faire le plein? La vache, tu fais une sacrée consommation, toi. Putain, je sais même pas par où commencer avec ce truc. C'est pas de la camelote, ça. Ça, c'est de la qualité. Solide et bien fini. J'ai besoin d'une clope. T'en as pas sur toi? Non, j'en ai plus depuis une semaine. Ça devrait te durer un moment, ça. T'avais besoin d'autre chose? Ta bécane a une autre gueule, maintenant. C'est pas de la camelote, ça. Elle est où, ma clé à cliquer? Ça, c'est de la qualité. Solide et bien fini. Tu m'étonnes. C'est grand n'importe quoi, ici. Ça devrait te durer un moment, ça. Ok, d'accord. Pardon. T'avais pas vu. Elle est où, ma clé à cliquer? Je trouve jamais rien. À plus tard, Dick. Dick. En fin de retour. Blair, comment tu vas? Quoi que tu cherches, je l'ai en stock. Ouais. Beau matos. Ouais, sympa. Ouais, c'est pas mal. Tu devrais sentir la différence. Ok. Dick, reste bien sur tes gardes. Hey. Saint John, vous êtes là? C'est O'Brien. Attendez. J'en ai ma claque de faire votre sale boulot. Vous avez du nouveau pour moi, oui ou non? Ouais. Je peux dire oui, j'ai du neuf. Vous accouchez, oui? D'abord, j'ai besoin d'un dernier petit service. Vous avez écouté ce que je viens de dire? J'en ai fait bien encore assez. Encore une mission, ensuite je vous verrai en personne pour vous montrer ce que j'ai. C'est sans moi. Mon deuxième prénom. C'était Irène, non? Sarah, Irène Whittaker. C'est sur son formulaire d'admission. Une dernière mission. Promis, une mission. Je vous ai envoyé les coordonnées. Terminé. Salut. Salut. T'as l'air bien pressé. Ouais. Tu te souviens de ce crétin du Nero dont je t'ai parlé, O'Brien? Apparemment, il a du nouveau pour moi, mais je dois d'abord lui rendre un dernier service. Ouais. D'accord. Tu devrais venir avec moi. Tu crois? Non. Schizo m'a affecté à la ferme, faut nourrir tout le monde. Une mauvaise herbe après l'autre. Qu'il aille se faire foutre. Je te redépose juste après. T'as pas envie de voir un hélicoptère? Je lui dirais que tu m'as forcé la main. Toujours aussi drôle, hein?
Fermez-la, Qualec. Tu vois où c'est? C'est mon dernier jour. Ouais, c'est au nord du tunnel Rogue, pas loin de la route de Waldo. Bon, on va là-bas. Un hélico du Néron sera sur place. Bref, va savoir pourquoi. Mais O'Brien veut que je découvre ce qu'il fabrique. Donc c'est O'Brien. C'est qui? Patron? Maître? Non! Putain, Bowser! Tu sais bien ce qu'on fout ici. Moi, je dis ça. Juste qu'on dirait qu'il tient par les couilles. Non, tu te plantes, là. Alors, tu tiens le coup? Pas trop mal. Faut dire, j'en ai vu d'autres. Ça me gêne pas de bosser à la ferme, de désherber et tout ça. Ça me rappelle quand j'étais gosse. Mon oncle avait une ferme, près d'Adrian, à la frontière de l'Idaho. Je passais l'été à travailler dans les champs de betteraves. C'est sur sa motocross que j'ai appris à conduire. Fais gaffe! Je vais finir par t'appeler Bill le fermier! Reste à proximité quand on sera arrivé. Mais quoi qu'il arrive, reste caché. Ils ont la gâchette facile. Ok, ok, j'ai pigé. Restez planqué, fermez ma gueule et pas nous faire buter. En tout cas, merci de m'avoir emmené, Dick. Ça fait du bien, la route. Ouais. Demande pas trop. Je te suis. Ça faisait un bail que j'avais pas entendu ça. Ouais. Me voilà. La vache. Jamais j'aurais cru en revoir un jour. On voit, je veux dire. Maintenant, observe. D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage. Ensuite, leur petit génie, un chercheur ou un scientifique, descend et se met à fouiner. Quoi faire? J'en sais rien, de la science. Comment tu veux que je le sache? C'est bon. Ok, attends ici. Compris. Hey, c'est quoi tout ça, Doc? Sérieux? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde? Oui. De la merde de mouton? Oui. Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part pour que vous puissiez ramasser du caca de mouton, c'est ça? Exactement. Ok, m'en dites pas plus. Note de terrain 2102. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4B révèle la présence de Cletonia perfoliata. C'est quoi ça? Communément appelée l'étude des mineurs, merci de ne pas m'interrompre. Ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis. Mais en quoi c'est important? En quoi c'est important? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous et leurs congénères. Ils mangent des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles. À peu près tout ce qu'un cerf mangerait. Ils sont omnivores, comme nous. Sauf que leur estomac est capable de digérer toutes sortes de cellulose. Ouais, ok. Et alors? Et alors, ça veut dire qu'ils ne mourront pas de faim quand ils n'auront plus de nous à manger. Les mutants ne sont pas prêts de disparaître. Merde, c'est pas bon ça. C'est peu dire. Allez, j'ai fini. Ok. Retourne à la moto.
T'as entendu ce qu'ils se disaient sur ma radio ? Ouais, c'est sacrément tordu. Tout le pognon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants. Je te l'avais dit. Qui sait ce qu'ils trafiquent et pourquoi ? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas ? T'as essayé de les suivre ? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes, vers le sud. Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher. Ces fils de pute, on dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets. Ouais. Et maintenant, on va où ? C'est une bonne question. O'Brien, vous me recevez ? À vous, O'Brien. Je suis là, vous avez terminé ? Ouais, c'est fait. Où on se retrouve ? Je pensais que ce serait plus long. Je vous envoie les coordonnées, mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre. Terminé. Oh, je rêve, il croit que j'ai fait quoi, là-dehors ? Hé, vous avez raison sur un point. Ça a l'air d'être un connard de première. Attends ici. Il va stresser s'il voit que je suis venu accompagner. Ok. Je surveillerai ta moto. J'ai vu assez de connards du Nero pour la journée. Ok. Je reviens. O'Brien a dit qu'il avait du nouveau. Il connaissait son deuxième prénom. Irène. Elle peut pas être en vie. Mais lui, il est vivant. Alors pourquoi pas elle, hein ? Voilà. Hé hey. Merde ! Faut vous arrêter de faire ça. Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire, mais c'est mal parti. J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'il conservait à l'époque où on archivait encore. Ok, continuez. Bref, Sarah Whittaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake. D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures après quoi... Ok, donc elle s'en est tirée. Le coup de couteau, elle a survécu. Oui, oui. D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie. Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie d'accord. De Tumult. Donc elle est peut-être encore en vie. Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante. Non. Comment ça, non ? Les mutants. Le camp a été infesté. Aucun survivant. Vous avez survécu. Et eux aussi. Écoutez-moi deux minutes. Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était et reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants. Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento. Ils étaient okay. Des centaines et des d'accord. Centaines de milliers. On n'aurait rien pu faire. Ok, vous vous êtes barré. Qui est parti avec vous ? Du personnel du Nero, des fédéraux, des c'est gens ça. Accrédités. Du personnel du Nero, des soldats, des types armés. Les gars qui étaient supposés protéger les civils. Il n'y a rien à faire. Ils sont bien trop forts, trop rapides. Dans ce cas, vous savez qu'on pouvait rien faire. Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous. Vous auriez pu sauver quelques vies de plus. Aucune chance, on n'avait pas le temps, pas la place, d'accord ? À l'arrivée de la Horde, ils s'étaient retournés les uns contre les autres. C'est bon, je comprends. Je suis navré pour votre femme. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais vous devez comprendre. Si vous ne me l'aviez pas confiée cette nuit-là, elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin. Vous avez fait le bon choix. Si vous
aviez décidé de rester, tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez mort aussi avec elle. Vous croyez que je le sais pas? O'Brien. Merci de lui avoir sauvé la vie cette nuit-là. Alors vous êtes désolé. C'est ça, O'Brien. Vous êtes désolé. Oh putain de bordel de merde. Je perds mon temps avec toute cette histoire. C'est pas vrai, Boozer. Boozer ! Eh merde, Boozman, où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh merde. Ok, Boozman, où est-ce que t'es passé ? Des traces de bottes, sûrement les siennes. Ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, par où? Par ici. Toujours là? C'est Ricky. Deacon St. John? Ouais, Ricky, je suis là. Quoi de neuf? Ce qu'ils autres cherchent. Il dit que Boozer s'est pas pointé au travail. Je m'inquiétais. Non, tout va bien. On devait régler quelques histoires. Dis à Schizo qu'on vient d'ici une heure. Ok. Oh, je suis presque prête pour aller réparer le transfo. Tu m'accompagnes toujours? Ouais. Ouais, c'est super. Tiens-moi au courant. Je sens déjà l'eau chaude. Je vais prendre une douche interminable. Ouais, d'accord, c'est cool. Écoute, Ricky, je dois y aller, hein? Ok, terminé. Jeter un coup d'œil dans le coin. On a quoi? Je m'en sors bien. Dick, par ici. Oh putain, Boozer, à quoi tu joues? J'ai voulu faire un brunch shopping dans le coin et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards. Tout doux, mon vieux. Tu vois, il est pas infecté.
C'est chien. C'est juste un chien. Il tue des chiens qui sont même pas malades. Ça va aller. Non, tu on peut pas l'abandonner ici, Dick. Ce serait pas humain, on peut pas faire ça. Ok, Don, laisse-moi faire. Vraiment. Tu veux... Allez, mon grand. Voilà, tout doux, ça va aller. Voilà, ça... Oh, putain de merde. Ça va aller. Voilà, tout va bien. Ça va aller, mon vieux. Repose en paix. T'es prêt? Ça ouais, frangin. Je suis prêt. Je devrais courir par... Il est garé. Ici! On t'a libéré! Libéré! Il est libéré! Feu! C'est juste que... je hais ces fils de pute. Ouais, bon. Amène-toi, on se tire d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? On aurait dit que, je sais pas, que t'avais pété les plombs. Ouais, je sais pas. Peut-être que... j'avais besoin de me venger pour mon bras. Mais je pense que ça suffira jamais à me calmer. Fabriquer ce truc. Ce bras, je veux dire. Je sais pas où je serais. J'imagine que je serais. Laisse tomber, tu m'as compris. Et ça va aller? Ouais, faudra bien. C'est pas comme si on avait le choix, pas vrai? Ouais, allez, viens. Voilà ta moto. Comment ça s'est passé? De quoi tu parles? Tu sais de quoi je parle, ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Boozer, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah? Hein? Où est ta régulière? La tienne, enfoiré! Hein? Oh! Ah! Tu te calmes, mon frère! Ah! Y'a assez? Où est ta régulière, Dick? Elle est morte, Boozer. Sarah est morte. Ouais! Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte! Alors que tu crois pas que tu l'as assez pleuré comme ça? Je crois. Que t'as un putain de crochet du gauche. Enfoiré. Oh. C'est le seul crochet qui me reste. Allez, mec. Mon Dieu. Je vais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Ok. Hé, j'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à t'étaler trois fois de suite. Oh, putain, c'est lent. Où on va? On retourne au camp! Non, non, j'ai encore du boulot. Dépose-moi là-bas. C'est au nord de Sherman's Camp.
Ok. Elle est morte, Lina. Et ni toi ni personne n'auriez rien pu y faire. J'aurais dû être là. Qu'est-ce que ça aurait changé? Oublie ça, c'est fini. Schizo, t'es là? Hé, hey, Lost Lake, Schizo! Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il vient de se faire attaquer par... Hé, hey, il est où, ton pote? Il est pas venu travailler aujourd'hui. C'est quoi, ce bordel? Tu veux bien la fermer, mais écoutez deux secondes. Je l'emmenais sur le chantier, et on a été attaqué par des Reapers. Oh, merde. Où ça? Pas loin du camp Rogue. Faut prévenir Iron Mike. Carlos est en route, et il s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu crois que je lui rabâche? Depuis des mois! Ouais, je lui dirai. On se dirige vers Tumalo. Boozer sera là d'ici quelques minutes. Ah, c'est vraiment génial. Parce qu'il a déjà une demi-journée de travail en retard. Ta gueule, Schizo! Hé, hey, Dick. Le camp Rogue, il est pas légèrement à l'opposé de Tumalo? On a pris la route touristique! Connard. Foiré de Schizo. Allez, les gars. Continuez de bosser. Lâchez rien. Pas de taf, pas de bouffe. Ok, c'est bon. C'est simple. Hé. Hey. Qu'on plante ces graines, parce que merci sans pour ça, crèvera de faim. Continuez comme ça. Pour Lost Lake, répondez. Dick, je t'entends. Mike, parfait. Écoute, Boozer et moi, on a eu un accrochage avec des Reapers. Des Reapers? Bordel de Dieu, vous avez traversé Iron Reach! Dick, je te l'avais dit! Écoute-moi, non, Mike, ils étaient ici, au camp Rogue. Au camp Rogue? Il y avait des Reapers au camp Rogue? T'es sûr que c'était des Reapers? Si, je suis sûr. Putain, Mike, ils sont plutôt faciles à reconnaître. Ils sont balafrés de partout, se conduisent comme des tarés et tuent tout ce qui bouge. Ok.
calme-toi. On doit parlementer avec Carlos. Schizo ira à Ehrenbutt demain. Il tirera toute cette histoire au clair. Ensuite, on pourra... T'envoies Schizo parlementer avec Carlos? Sérieux, Mike? Ne me dis pas comment gérer mon corps, Dick. Je te l'ai dit, mon traité tiendra bon. Terminé. Putain, si tu le dis, Mike, si tu le dis, Schizo a raison. Tu finiras par faire tuer tout le monde. Dick, t'es où, frangin? Salut, Boozer. Je suis en route. En route pour Marion Forks. Marion Forks? Pourquoi faire? Parce que j'ai décidé... T'avais raison, en fait. Ce deuil a trop duré. Il est temps de lui dire au revoir. Tu vas à l'église? J'en sais rien, ouais, peut-être. Oh, merde, Dick. C'est la dernière fois, Boozer. Juré. Terminé. Ouvrez-lui. Il va entrer. Dick, c'est Copland. Comment ça va? J'ai un taf pour toi. Cope, salut. Ok, d'accord. Je vais essayer de trouver le temps. Terminé.